présentation d'un exercice interactif ancien sur le calcul littéral. Après avoir étudié la distributivité simple, on est invité ici à développer, réduire et ordonner. Alors, avec un papier et un crayon, c'est peut-être mieux. 8x plus 7x plus 7, on écrit directement 15x plus 7. Vérifier. Alors la solution détaillée est donnée. 8x plus 7 facteur de x plus 1, c'est une somme de deux termes. On a développé le second. On peut passer directement à la deuxième ligne sans parenthèse avec l'habitude. Deuxième exercice. 2z moins 63z. Moins 61z, moins 7, moins 2, on va écrire directement plus 14. Alors, si on passe à l'écriture sans parenthèse directement, on utilise, si on veut, une règle des signes, le moins par moins donne plus. Mais il faut comprendre au début qu'on a affaire à une différence. Le premier terme est 2z, le second terme est 7 facteur de 9z moins 2, et c'est ce deuxième terme que l'on développe. Exercice 3. Alors 2u moins 3u moins u plus 2 plus 6 plus 7. Alors la vérification ne donne aucun résultat, ce qui signifie qu'il y a une erreur. Là, on reprend 2u moins 3u, c'est bien moins u, et 2 plus 6, c'est plutôt plus 8. Quatre. Alors, les nombres, la lettre est au hasard de l'ordinateur. Ici, c'est 8 fois 6t, 48t, moins 10t. On écrit directement 38t. 48 moins 5, plus 43. C'est bon. Exercice 4. Alors, 48t. Plus 21t, 69t, moins 48, moins 21, moins 48, moins 21, moins 69, voilà, score final 10 sur 10. Alors, pour arriver à de bons scores, il faut s'entraîner. Papier, crayon, autant d'exemples que l'on veut avec ce petit programme, auquel on accède en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.